Vous êtes sur RTL. Le président de la République s'est de nouveau exprimé hier annonçant une nouvelle série de mesures insolites qui ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale, Les Sinocs. L'épisode du jour, raconté bien sûr par l'inoubliable Claude Piéplu, s'intitule « Quand on veut sauver Noël, faut faire chauffer la cervelle ». Sur la planète Sinoc, comme tous les 15 jours, le président des Sinoc avait pris la parole à la télévision pour expliquer comment sauver le Black Friday et les fêtes de Noël. Le président confirma que les sapins étaient en vente libre sur tous les trottoirs. Les Sinoc téléchargèrent donc leur autorisation de sapinement dérogatoire et les fleuristes commencèrent à vendre des sapins en gardant leurs roses pour être envoyés dessus et leurs chrysanthèmes pour leur faillite à venir. Mais pour vraiment sauver Noël, il fallait les décorer, les sapins. Comme les Sinoc avaient déjà les boules, le président annonça la réouverture des magasins de guirlandes, mais à condition d'assurer 8 mètres carrés pour chaque client, soit l'équivalent d'un 2 pièces à Paris. Puis, les Sinoc voulurent acheter des cadeaux pour déposer au pied des sapins. Mais afin d'éviter l'affluence dans les magasins de jouets et pour relancer tous les autres petits commerces, quoi qu'il en coûte, le président des Sinoc incita à ne pas offrir que des joujoux, mais aussi des choux, des hiboux, des genoux, des poux et des cailloux, pour les plus modestes, bien sûr. Restait l'épineuse question du réveillon. Le président des Sinoc invita les Sinoc à acheter français et la Sinoc de la culture recommanda d'offrir le dernier album d'Ayok Nakamurok. Ce qui réglait à la fois la question du cadeau de Noël et de la dinde de Noël. À demain, Laurent Gérard, Jeanne, toute l'équipe, juste avant 9h, bien sûr, dans la matinale d'Yves. Bonjour, c'est Bruno Guillon. Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil. Tout à gagner. Tous les matins, 11h30, 12h30, vous avez tout à gagner sur RTL. C'est-à-dire 1000 euros par jour à remporter en répondant tout simplement à des questions. Oui, vous allez apprendre, vous allez vous amuser, vous allez vous amuser à apprendre. C'est pas mal, ça, comme formule. Hein. C'est pas mal, c'est pas... on peut la noter, vous allez vous détendre aussi. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. C'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur rtl.fr.